Personne n'osait espérer que les policiers marocains réussissent à contenir la foule au moment où le cercueil du roi a quitté le palais. Des milliers d'hommes et de femmes poussent les barrières de fer avec une force inouïe. Pourtant, les policiers ne paniquent pas. Ils ont été longtemps entraînés, surtout ces deux derniers jours, et cela se voit. Les autorités ont tout fait pour éviter les débordements, pour qu'il n'y ait ni morts ni blessés, et pour que la cérémonie reste digne. 37 000 policiers venus du Maroc tout entier, mobilisés, soutenus par les gendarmes, que l'on a vu intervenir en masse et en rang serré pour fermer le cortège. La dépouille de Hassan II reste hors de portée de la foule. La première mission des forces de l'ordre est accomplie. Pour réussir cet exploit, tout le monde y a participé. Des dizaines d'agents spéciaux dispersés dans et autour de la foule. Des milliers de soldats des forces armées royales déployés dans toute la ville. Mais hélas, la journée n'est pas terminée. On saura demain s'il y a eu des victimes à Rabat durant ces obsèques.